Hey tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo avec mes deux petites sœurs Alissa, Stella, pour une vidéo de dégustation américaine. Alors avant qu'on me demande, tous les produits viennent de chez La Farfouille, alors je me baladais dans le magasin pour trouver des produits d'anniversaire et je suis tombée sur le stand, donc par hasard sur le stand de produits américains et japonais. Du coup je me suis dit que c'était l'occasion de tester. Alors on va tout de suite commencer. On commence par quoi? Je pioche? Oui. Allez. Ah ouais. Donc c'est les Hair Hits. Donc de toute façon je mettrai toutes les photos quelque part sur l'écran. Donc c'est les Hair Hits à la cerise. Ça. Vous êtes prêtes? 1, 2, 3. Moi ça me fait penser aux bonbons quand j'étais petite. C'est à peu près pareil en fait, c'est comme ça. Maintenant j'en vends plus trop. Mais ça a le même goût, c'est pareil. Bonbon tendre à la cerise. Maintenant on va goûter celui au raisin. Attends, j'ai dit joli. C'est vraiment mais violet. Ça me rappelle un bonbon. Oui, ça me rappelle un bonbon aussi. Tu sais, quand tu mets dans le coca que ça. Ça me rappelle. Les mentos. Les mentos. Oui. Les mentos. Oui. Attends, tu vois. C'est vrai que les mentos. Ça m'a collé au nez. 1, 2, 3. Ça colle. Ça a le même goût. Ouais. Ça a même goût que les raisins, les... Mentos aux raisins. Voilà. Maintenant, on va goûter lui à la framboise bleue. Comme... Ah, ça sent trop bon. Ah ouais, trop... Mais la framboise, ça sent bon. Je crois qu'il ne pouvait pas rater quelque chose. Vous savez, ben, on peut pas. Ah ouais, moi aussi. Non, même pas, je sais pas en fait. Non, ça me fait rater quelque chose. Moi aussi. On dirait pas la grenadine. Oh. Si, si. Vous êtes prêtes? Oui, oui. 1, 2, 3. Ça a le même goût que la grenadine, mais il y a un truc. En plus. Je sais pas comment expliquer en fait. C'est Stella qui pioche. C'est le seul produit japonais qu'on a acheté, mais on voulait vraiment aussi le tester. Donc c'est des Poki, c'est des Mikado. C'est comme des Mikado. Oui voilà, c'est comme des Mikado à la banane et au chocolat. Ça sent les bonbons à la banane à Haribo. 1, 2, 3. C'est comme des Mikado. Non, c'est bon. Je crois que tout fini. Avec ça, t'en penses quoi? Là, je trouve que c'est très bon. On doit pas bon. Très bon. C'est pas mal. Alors maintenant c'est de la poudre Pop Rocks. Donc en fait c'est de la poudre qui pique dans la bouche. Non, qui pique pas, qui pétille. Voilà, qui pétille dans la bouche. Et celui-ci il est à framboise bleue, donc on a plusieurs goûts. D'abord on va tester celui-ci. J'ai une télé qui grésille. 1, 2, 3. Ça fait une électricité. Vous en avez pensé quoi? Ben moi je trouve que c'est très bon. C'était super bon. Allez, prends les autres. Maintenant on va tester celui à la cerise. À la cerise, à la fraise. Moi je trouve que ça sent rien. Je trouve que ça sent un petit peu la fraise. Vous êtes prêtes? Ouais. 1, 2, 3. Attends. Ça me rappelle les petits sachets pareil avec la poudre quand j'étais petite. Et on trempait en fait une sucette en cœur dedans. Et ça pétille dans la bouche, ça a le même goût. Je connais. Alors maintenant on va tester celui à la pastèque. Moi je trouve que c'est son... Allez, bon, vous êtes prêtes? 1, 2, 3. Moi j'aime pas. Je trouve que c'est écœurant. Je sais pas. Mais à la pastèque c'est bizarre, il a goût bizarre. Pas vraiment de pastèque, je sais pas, c'est bizarre. Ben, moi je dis que j'aime beaucoup. Et toi salut? J'aime beaucoup. Bon, moi, on va pouvoir le finir. Un de gourmand de la tous les deux.
Et maintenant, on va tester celui au bubblegum. Donc, c'est celui au chewing-gum. Il y a des morceaux blancs dedans. C'est rose et blanc. Je trouve que ça sent les malabars aux fruits. Je sais ce que c'est le blanc. Tu vois? J'ai déjà vu des youtubeurs le tester. Le blanc, c'est du chewing-gum. Du vrai chewing-gum. Ah ouais? Ouais. Vous êtes prête? 1, 2, 3. On sent pas bon. Ah, il y a un pic. Moi, je trouve pas. J'adore. De l'eau. Tu vois, mais un vrai chewing-gum. Ah ouais. Donc en fait, le blanc, c'est du chewing-gum. Et ça sent en fait le malabar fruité. C'est le même goût, ils sont trop bons. Hein. Donc ça, c'est le double deux cœurs. Donc moi, je sais pas ce que c'est. Vous savez ce que c'est? Oui, non. C'est quoi? C'est des céréales ou soit c'est un gâteau et... Ah, c'est écrit du nougat crispy et du Cadbury chocolat au lait. Chocolat au lait. Ah, du coup c'est chiant. Bah tu coupes avec le dos. Ah, que j'ai dit. On dirait les oursons. Ah ouais. Ah ouais, ça fait rapide. Viens, on le ourson coupe. Ourson au chocolat. On se rapporte sous les doigts. Ouh, il y a des céréales avec dedans. En fait, c'est du... passe-moi. Une barre au chocolat. Avec il y a un étage du nougat et un étage des céréales. Mmh. On est partout sous les doigts. Ils sont bons au chocolat. Parce que le chocolat, ils font, alors il faut vite le manger. Ah. Ça sent comme les oursons. Oui, pareil que les oursons avec les ours. 1, 2, 3. C'est pas mal, hein? Ouais, trop bon. Moi j'aime pas. T'aimes pas? Non. On va pouvoir. Ça a le goût au café? Ouais. Oui. Ouais, j'adore. Ouais, je peux te chercher. Ah, bah c'est ça. Donc, ça, c'est des nerds. Donc celui-ci, ils sont au melon, à la pomme et à la cerise limonade. Donc moi j'avais déjà goûté les nerds et j'aime trop en fait. Ça fond dans la bouche, les petites billes qui fondent dans la bouche. Et j'aime trop. Ça sent rien. Ça sent rien. T'es prête? Ouais. 1, 2, 3. Ça pique. Moi ça me fait penser aux bonbons, les pèses. Mmh. Celle-là, elle a pas aimé. Parce que c'est acide. C'est acide. Mmh. Non, c'est acide. Alors maintenant, c'est ceux à la fraise au raisin. Donc ils sont acides huilés aussi, ceux-là. Mmh. Oui. Bien. Yeah. Celle-là, tu veux quand même goûter. Ça sent le raisin. Ouais. Oh. Un, deux, trois. Du rouge à lèvres partout sur ma main. Alors celui-ci, c'est celui au tropical et à la framboise. Framboise bleue. Oui. 1, 2, 3. Je sais pas, ma voix, j'aime plus. On a trop mangé là. T'as aimé? Oui. T'as aimé ceux-là plus que les autres? Oui. Ils sont moins acides ceux-là et toi? Je les ai adorés, voyons. Et maintenant, alors il reste deux choses différentes. Trois choses. Deux choses différentes. Oh. On va voir. Allez, je pèse. Maintenant, on va tester des Laffy Taffy. Ah, je sais. Il y a un... C'est des bonbons en barre. Ça, donc, ça il y en a à la cerise. Et il y en a à la framboise bleue. Voilà. On va commencer avec la framboise bleue. Oui, pourquoi pas? On a fait beaucoup de choses. Beaucoup de framboise bleue quand même chez les Américains. Oula! Oh, le truc il est parti avec le papier. Oui, ça sent bon la framboise. 1, 2, 3. T'as quoi dedans? Ça va faire un bonbon. Ça a le goût au bonbon mou. La framboise. Hein. Ouais. 1, 2, ça fond dans les mains. 3. Sur la cerise, il est pas bon. Mais moi j'aime.
Pas bien. Vous en avez pensé quoi? Très bon. Très bon. Moi j'ai pas aimé. En fait c'est une espèce de pâte et ça fond parce que là déjà il fait chaud mais ça fond. Enfin je sais pas, c'est pas top. Ça a le goût bonbon mou. Mais celui la framboise encore il est bon, mais celui à la cerise, moi j'ai pas trop aimé. Je crois qu'il faut le laisser au frigo pour qu'il refroidisse. Et pour finir, tadam, chocolat blanc aux Oreos. Donc c'est des Hershey's. Comment on dit? Mais voilà, c'est cookies and cream. Donc en fait, c'est du chocolat blanc. Voilà. Avec des morceaux de cookies, donc des morceaux d'Oreo dedans. Allez. Ça me fait penser au bord de céréales. Ah oui, allô, Nesquik. Ah oui. Celle avec des chocapics dessus et le dessous il est blanc. C'est pas des chocapics. Si, c'est des chocapics. Non, c'est des chocapics. Les chocapics, c'est les autres. C'est pas des chocapics? Non. Ah, des céréales Nesquik, voilà. Elle en goûte? J'ai trop faim. Moi je te dis, je crois. 1, 2, 3. Moi, j'aime le chocolat. C'est trop bon. On a tout mangé. Alors, vous en avez pensé quoi? Très bon, j'adore le chocolat. C'est délicieux. Oui, moi aussi j'ai beaucoup aimé. Maintenant que cette vidéo est terminée, quel article vous avez préféré? Les chocolats. Moi j'ai préféré les beaux. Les Pocky ? Les Pocky. Donc Alissa a préféré les espèces de Mikado chocolat banane. Et celle-là, le bar de chocolat, donc les Hershey's. Et moi, je dirais aussi les Hershey's. Franchement, c'est, je pense que c'était le mieux et le moins écœurant de tous. Donc ça, vraiment, je recommande. Alissa, tu recommandes les Pocky ? Ouais. Alors les Pocky, par contre, c'est japonais, c'est pas américain. Mais bon, on le met quand même dans la vidéo. Et vous recommandez quoi d'autre? Attends, moi j'ai un truc à dire. J'ai à dire que si vous prenez ça, mettez-le bien au frigo, par contre sinon ça va coller au papier. Et ah, ce sera un petit peu galère à le manger. Voilà tout. Et toi Stella, tu recommandes quoi? Les merdes. Et donc les petits bonbons qui font dans la bouche. Voilà. Ils sont acidulés. Non, mais ils piquent tout, sauf celui à la framboise bleue. Voilà, à la framboise bleue et au tropical. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu et si vous voulez revoir mes soeurs dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et on vous dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut! Salut.